Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer les succès que j'avais fait sur Plantes et Zombies à 100%. Voilà, hop. Voilà, je vous les montre vite fait pour vous montrer que j'ai tout fini à 100% comme j'avais fait sur un autre jeu. Je vous avais montré. Voilà, les plus durs à la fin, c'est surtout terminer en difficulté Dingo le jardin, c'est très dur. Celui-là aussi, mais pas évident, le dernier là, la dernière seconde. Voilà, pour vous montrer tous les succès qu'il faut faire pour les avoir. Je peux vous dire aussi que c'est un de mes jeux préférés sur Xbox One. Voilà. Les DLC sont totalement gratuits et le jeu est pas cher maintenant, encore moins cher qu'avant. Il tourne autour des 25 euros pour un jeu en multijoueur. Franchement, avec des DLC gratuits, c'est vraiment sympa. Et je vais vous montrer en même temps, je vais vous montrer des petites astuces pour finir en mode dingue. Hop. Voilà, alors vous allez sur jardin, voilà, vous cherchez une partie, vous créez une partie, et là vous allez faire ces deux succès en même temps, c'est-à-dire vous allez faire le succès, je vais mettre un seul, je vais vous montrer, là je le fais seul, hein, mais il faut être plusieurs en principe. Vous faites le mode dingo, voilà le plus dur, et vous prenez le jardin des pirates, le port ruffien, voilà. L'envoyer, et en fin de compte avec celui-là vous allez faire ces deux succès. Vous allez faire le succès dingo si vous y arrivez, qui est pas évident. Moi j'arrive jusqu'à la dixième manche seul, mais il faut être au maximum 4 quand même pour y arriver. Et pour vous dire qu'en même temps vous allez faire le succès des 500 pirates, c'est-à-dire qu'il faut tuer 500 zombies pirates, et les pirates pour les tuer ils sont sur cette carte. En fin de compte vous ne verrez que des pirates en mode zombie, petits zombies là qui vont envoyer des vagues de zombies, c'est que des pirates. Alors moi je vous conseille de le faire, et en même temps je vais vous montrer une astuce pour bien le passer si vous avez des potes qui assurent sur plein de ces zombies. Hop, voilà, je vais vous montrer vite fait. Alors, là vous avez trois jardins ici. Alors, le mieux à prendre pour je vous conseille, si vous voulez faire un dingo déjà, si vous voulez passer presque toutes les vagues tranquille, vous allez à gauche sur celui-là, vous n'allez pas sur les autres, surtout pas celui-là qui est sur le bateau. Vous prenez celui-là, en fin de compte, vous prenez celui-là, hop, vous prenez celui-là, et là vous mettez des fleurs surtout si vous n'avez pas, voilà comme ça. Et là moi je vous conseille un pot. Bon, il faut mettre ceux-là là, les meilleurs, mais le plus efficace, j'ai remarqué, c'est le champignon. Le champignon gluant, en fin de compte, il est très efficace. Vous le mettez sur tous les pots, vous verrez, c'est très très efficace. Franchement, c'est le meilleur que j'ai trouvé moi. Et j'ai réussi à le faire les vagues jusqu'à la 10e vague en mode dingo, alors, pour vous dire, seul en plus. Et après, le but, si vous avez pris le pistopois, en fin de compte, c'est d'attaquer les vagues presque direct en jetant la bombe comme ça. Si vous avez cette bombe, j'espère que vous l'avez celle-là, parce qu'elle est très importante. Regardez, il y a tous les zombies qui vont tuer. En plus, c'est les zombies pirates, voilà, que je vous ai dit. Là, vous en faites une dizaine. Il faut en faire 500. Voilà, vous aurez les deux succès qui se trouvent ici. Je vais vous remontrer qui se trouve. Hop, si ça va bien se mettre, qui se trouve ici. 500, voilà, les 500 zombies pirates, vous aurez, et celui-là, si vous y arrivez. Allez, bonne chance, à plus, ciao.